en direct au stade des Tout-Puissants Mazembe. Avec cette rencontre qui était prévue aujourd'hui, les 30, entre les Tout-Puissants Mazembe Angleber et les groupes Bazano. Dans la Line à Foot Ligue 1, les matchs de la deuxième journée qui va se passer à bientôt. David Ayous pour le reportage de ce match avec la chaîne de GSM Télévision qui nous a mis en direct. Je vais d'abord saluer le directeur de GSM Télévision, Simeon Flachama Koutou, là où il est. Bien, là c'était la chanson des corbeaux de Tout-Puissants Mazembe Angleber de Lubumbashi, chantée par leurs supporters pour encourager les joueurs. Et la présence de Moïse Katumbi Tchapwe au stade fait quand même du bien aux supporters pour encourager cette équipe qui va bientôt lancer le coup d'envoi dans son stade qui est le temple de Badiangwena. Et bien c'est parti avec la première période. Michel Onachoto derrière la caméra. Ndeko Paul Kamukenja à l'antenne. Donc il va donner. Va donner à qui? Ndeko qui a donné à Kizumi. Kizumi qui va donner à Keita. Les joueurs, les nouveaux joueurs de Tout-Puissants Mazembe. Attention, les ballons, les gardiens du groupe Bazano qui est sorti pour dégager les ballons. Mazembe qui va commencer avec l'attaque. Attention avec Mondeko. Mondeko, les ballons récupérés toujours par les Tout-Puissants Mazembe. Attention, Keita, Keita, non, les ballons récupérés. Et le groupe Bazano aussi qui a bien organisé son équipe pour ces matchs. La chaîne JSM Télévision aussi qui a mis ses moyens pour cette période de match de la Line à Foot. Et aussi dans la capitale, le DCMP qui a été réussi par Céleste FC, toujours dans les comptes de la deuxième journée.